بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc toujours sur ce premier hadith du Bukhari Sharif qui nous est rapporté par Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an, qui était sur le mimbar et qui dit aux compagnons que j'ai entendu le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les actions ne valent que par leur intention, que chaque personne n'aura comme récompense que ce qu'il a fait comme intention. Celui qui a émigré pour acquérir les biens de cette terre ou pour pouvoir se marier avec une femme, alors l'hijra qu'il aura fait, l'émigration qu'il aura fait, sera rétribuée selon l'intention qu'il aura fait au moment de faire son action. Donc nous avions déjà commencé à expliquer ce que nos professeurs et les commentateurs de Hadith alayhim wa rahmah ont écrit dans leur recueil. Et aujourd'hui, au sujet de ce hadith, nous regardons un masla qui est traité par la majorité des commentateurs de hadith, même si ce sujet n'a rien à voir avec le chapitre que nous traitons. C'est un sujet au sujet du wuzu. Dans ce hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les actions ne valent que par leur intention. Ce qui signifie que la personne qui n'aura pas fait d'intention, cette personne verra son action rejetée ou non acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour les actes d'adoration, que ce soit les namazes, le jeûne, le hajj, etc., etc. Si nous accomplissons nos prières sans intention, nous ne faisons que les gestes. Avant de débuter la prière, nous n'avons nullement l'intention de prier. Nous faisons cependant tous les gestes demandés de la prière, nous lisons ce qu'il y a à lire, nous faisons exactement ce qu'il le faut avec concentration, dévotion, amour, comme de toute notre vie nous n'avons jamais fait. Mais en débutant cette action, nous n'avions pas eu l'intention de le faire pour Allah, mais c'était juste des gestes que nous faisions, alors cette action ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette action ne sera pas considérée comme prière et elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce point, il n'y a aucune divergence entre les savants. Tout le monde est d'accord que pour les actes d'adoration, pour la ibadat, il faut absolument avoir fait l'intention de cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous faisons les gestes demandés, mais l'intention n'est pas de notre cœur, alors cette action ne sera pas considérée ni comptée comme acte d'adoration. Alors ici, la question qui se pose c'est, pour le wuzu, est-ce que, au moment d'accomplir le wuzu, est-ce qu'il faut absolument faire l'intention, ou il est possible de faire son wuzu sans avoir l'intention de faire ses ablutions, de faire son wuzu. C'est-à-dire que là, quelqu'un va prendre un bain, il prend un bain dans le but de se rafraîchir. De ce fait, toutes les parties qui doivent impérativement être mouillées par l'eau au moment des ablutions sont mouillées, c'est-à-dire les cheveux, le visage, les bras et les pieds. Maintenant, cette personne quitte la salle de bain, elle a l'intention d'aller se coucher, et quelqu'un l'appelle et lui dit « Allons, on va faire quelques rakats de prière facultative pour Allah. » Alors, est-ce que cette personne a le wuzu
où cette personne devra refaire un wuzu. Que ce bain ne sera pas suffisant, n'aura pas été suffisant pour qu'il ait les ablutions, qu'il ait le wuzu. Est-ce qu'il faut refaire le wuzu ou ce bain lui sera suffisant? Alors, les trois imams, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi murrahma, ainsi que Abu Zahiri, Daoud Zahiri alayhi rahma, sont d'avis que de même que pour toutes les adorations, il est nécessaire d'avoir l'intention, de la même façon, pour que notre wuzu soit accepté, avant de le débuter, il faut impérativement avoir fait l'intention, le niya. De ce fait, pour ces savants, cette personne qui est partie prendre un bain, de le simple but de se rafraîchir, lorsqu'elle sort de la salle de bain, s'il a l'intention d'accomplir ses prières facultatives, elle devra de nouveau faire son wuzu, car le bain qu'il a pris n'aura pas été suffisant, étant donné qu'il n'avait pas eu cette intention de faire ses ablutions au moment de prendre son bain. De notre côté, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, ainsi que Hazrat Sufyan Sauri alayhi rahma, et Hazrat Hassan ibn Hayy alayhi rahma, tout comme Hazrat Auza'i et Imam Malik alayhi rahma, selon une de ces narrations, sont d'avis que pour que notre wuzu soit accepté, l'intention de faire les ablutions ne sera pas nécessaire. Si quelqu'un n'a pas fait l'intention de faire son wuzu, alors son wuzu sera quand même accepté. Certes, certains savants donnent comme explication que les récompenses qui lui ont été promises en récompense de ce wuzu, ces rétributions-là, cette personne ne les recevra pas. C'est-à-dire que toutes les bonnes, les promesses qui ont été faites par Allah subhanahu wa ta'ala, par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, etc., que pour la personne qui fait le wuzu, cette personne aura telle ou telle récompense, cette personne se verra effacée de tel ou tel péché, etc. Alors toutes ces récompenses, cette personne en sera privée, étant donné qu'elle n'aura pas préalablement fait l'intention de faire le wuzu. Mais malgré cela, son wuzu est valable, il a le droit de faire son namaz, de lire le Coran, de toucher le Coran, pardon, avec ce wuzu. Ce wuzu sera accepté, mais les récompenses promises, cette personne ne les recevra pas. Donc, là est la divergence entre les trois imams et notre imam Abu Hanifa, rahmatullah. Pourquoi cette divergence? Tout simplement parce que au sujet des caractéristiques du wuzu, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que le wuzu est un acte d'adoration ou le wuzu n'est pas un acte d'adoration? Alors les trois imams, Imam Shafi, Imam Ahmad et Imam Malik alayhim rahma, sont d'avis que le wuzu, au même titre que les namazes, que le jeûne, que le pèlerinage et que l'aumône obligatoire, au même titre que ces adorations, le wuzu est aussi un acte d'adoration. Et nous avons dit auparavant que pour chaque acte d'adoration, l'intention est obligatoire, sans quoi cet acte d'adoration ne sera pas accepté. Et le wuzu, selon leur connaissance, leur science, faisant partie des actes d'adoration, alors pour le wuzu, il faudra absolument faire le niya, sans quoi le wuzu ne sera pas accepté. Et Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, lui d'avis que le wuzu n'est pas à proprement dit un acte d'adoration. Le wuzu est un intermédiaire. Le wuzu est un pont qui nous permettra à arriver jusqu'à une adoration. Le wuzu est une passerelle. Le wuzu est une étape pour pouvoir entrer dans une adoration qui est le namaz. Sans wuzu, nous ne pouvons débuter la prière. Donc le wuzu en lui-même n'est pas un acte d'adoration, mais c'est un intermédiaire pour pouvoir accéder à la prière. At-tuhuru miftahu as-salat, que la purification, le wuzu est la clé de la prière. En aucun cas, personne ne considérera une clé comme la maison en elle-même. Si j'ai une clé dans ma poche, je ne dirai pas que j'ai la maison dans la poche. La clé est un ustensile, un intermédiaire pour pouvoir ouvrir la porte de la maison, pour pouvoir pénétrer dans la maison. Mais la clé en elle-même n'est pas la maison. De la même façon, le wuzu
est un intermédiaire pour pouvoir débuter la prière. Mais le wuzu en lui-même n'est pas un acte d'adoration. Comment est-ce qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh peut affirmer cela? Sur quoi est-ce qu'il se base? Alors il va nous présenter certaines preuves. La première preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « وَثِيَابَكَ فَطَهِدْ » et purifie tes vêtements. « وَثِيَابَكَ فَطَهِدْ » Allah dit, purifie tes vêtements. Donc ici, Allah il a donné l'ordre de purifier les vêtements. C'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, est-ce que de tous les savants, quelqu'un est d'avis et d'opinion que pour purifier un vêtement, il faut absolument faire l'intention de purifier ce vêtement? Lorsque nos mères prennent les linges et les mettent dans la machine à laver pour laver, est-ce qu'au moment de mettre ces linges dans la machine à laver, quelqu'un parmi nous fait cette intention que je mets ces linges dans la machine à laver, je mets en marche pour purifier ces linges de toutes les impuretés qui y sont? À notre sens, personne ne le fait. Oui, tout le monde met pour laver le linge parce que le linge est sale. Mais est-ce que quelqu'un met le linge dans la machine à laver avec cette intention de le purifier des souillures et des impuretés? En général, personne ne le fait. C'est plutôt même un geste courant, une habitude que de le faire. Alors si pour purifier le linge, il faut absolument faire l'intention, alors beaucoup de nos vêtements ne seront jamais purs, car nos mères ne font pas cette intention. De ce fait, nos prières ne pourront être acceptées, car nos mères n'ont pas fait l'intention de purifier nos linges au moment de les mettre dans la machine à laver. Ou encore plus, si dans la maison, il y a une bonne, une travailleuse, une servante, alors, le plus souvent, ici à La Réunion, ce ne sont pas des musulmanes. Alors, est-ce que ces personnes-là ont le réflexe de faire cette intention que je mets ces linges dans la machine à laver de façon à ce que ces musulmans, lorsqu'ils vont prier, leur linge soit pur et leur prière soit acceptée? Personne ne le fait. Donc, à l'unanimité, personne justement n'est d'avis que pour purifier le linge, il faut absolument faire l'intention de purifier ce linge. Purifier ce linge, c'est quoi? C'est une purification. De la même façon, le wuzu, c'est quoi? C'est une purification. La seule différence, c'est que Allah demande de purifier le linge. Et dans le wuzu, Allah demande de purifier le corps, les membres du corps. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Jusqu'à la fin du ayat, Allah dit, lorsque vous vous levez pour accomplir les prières, alors à ce moment, purifiez-vous le visage, les bras, faites le massage et purifiez-vous les pieds. Donc c'est une purification qui est demandée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.